Putain, tu te fous de moi? Tu crois? J'ai une tronche à déconner? Attends, mais tu vois pas que j'ai les mains attachées au volant? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois attaché? Je vais te crever, moi. Tire pas, mec. Ton portefeuille. Putain. Hey. Qu'est-ce que tu planques, là? Ouh, jackpot! Et ça, ça vaut le détour. Bon. Hé, hey, cousin. T'embarques ma serviette? Ta serviette? Exact. Pourquoi? Tu veux la reprendre? File ton portefeuille! T'as autre chose tant qu'on y est, hein? Merde! Sous le tableau de bord, des warnings. Eh ben, allez. Tu attires l'attention, des gens se font descendre alors que ça aurait pu être évité. Tu comprends? Ouais. Ouais. Dis donc, réjouissons-nous. On a de l'avance. Branché jazz. Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Jazz. Si t'aimes le jazz. Non, sans plus. Il y a un club, on m'a dit, qui se trouve sur Crenshaw. À l'Emmert Park. Tous les plus grands y sont passés. Dexter Gordon, Charlie Mingus, Chet Baker. Rien que ça. Allez, accélère le mouvement, je t'offre un verre. Cet informateur, comment déjà, Ramon? Ramon Ayala. On devait se retrouver à Bellflower hier soir. Il est pas venu au rendez-vous, je me suis pointé, j'ai trouvé ça. D'accord. Ça fait longtemps que tu t'intéresses à lui? 4 mois. C'est un sous-fifre, mais il taffe pour un énorme réseau de distribution géré par Félix. Félix Reyes Toreno? Les fédéraux ont l'œil sur ce type et refusent qu'on s'en mêle. Et depuis quand les stups sont en botte des fédéraux, dis-moi? S'ils landent sur lui, ils vont saisir tous nos dossiers, boucler l'affaire et en retirer tous les honneurs. Alors pourquoi s'emmerder? Parce qu'un de mes indics a fait le grand saut, et que si un de mes indics fait le grand saut et qu'il s'avère que ce Félix laisse ses empreintes sur son derche, c'est à moi de le boucler. Il y a eu un crime? Un homicide? Il y a un mort ici? Je vois que des bouts de verre. Et du sang. Il y en a là, sur le verre. Là aussi. Ça a éclaboussé par là, devant, et on en a un peu ici. Richard? Oui, c'est moi. Ramon passe à travers cette fenêtre. Plaf! Il y a du verre sur le sol et des traces de pneus. Une seconde. Il a peut-être plongé exprès. Sûr, il s'est payé un coup de blues, alors il a sauté, il s'est vautré la tête la première. Le coup lui a fait du bien, il se remet debout, il prend sa bagnole et il va faire un tour peinard. On a d'autres des comme ça. Oh ouais! Attrape! Récente? Elle sent encore la poudre! Un vieux qui habite en face, qui regardait la télé tout à l'heure. Il dit qu'il a vu se pointer un taxi assez tôt, il y avait 2 gars, il parlait dehors. Un signalement, il a vu quelque chose. Il aurait du mal, il a des carreaux comme des descentes de bouteilles. Bien, sauf que les taxis, il y en a 4000 à Los Angeles. Sinon, autre chose? Rien. D'accord, on s'y remet. Alors messieurs, on continue. Tu te rappelles ce chauffeur de taxi à Oakland? Il a passé la nuit à tourner, il a dégommé 3 mecs. Après quoi, il s'est suicidé? Ouais, il avait pété un plomb, et après? Un des flics là-bas, je sais plus lequel, il croyait pas à cette histoire. Un employé réglo, pas de casier ni antécédent psychiatrique, et un soir, il descend 3 personnes et il se tire une balle. Ce flic a toujours été convaincu qu'il y avait une autre personne avec le chauffeur. Thank you.